messieurs, bienvenue aux parlementeries. Pourquoi les parlementeries? Parce que les problèmes qui affligent le Québec sont devenus trop sérieux pour qu'on les laisse entre les mains de simples politiciens. Avec moi pour commenter l'entrée en scène des nouveaux joueurs dans l'arène politique, tout d'abord, un ex-ministre devenu commentateur à la télé, M. Claude Charron. Bonsoir, M. Richard Gueb. Claude, à quoi peut-on s'attendre ce soir? Bon, on doit s'attendre à du sport, ça c'est sûr, à tout un match de la vie, bien sûr. C'est mardi, 21h. Également à mes côtés, un ex-politicien redevenu un catholique pratiquant, M. Claude Ryan. Bon, merci, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ryan, une réflexion en ce début de soirée, peut-être? C'est malheureux à dire, mais j'ai peur que ces parlementaires ce soir risquent de s'aborder une fois pour toutes, de ridiculiser le sens même de la démocratie aussi au Québec, et je crois que c'est dommage. Au contraire, Monsieur Ryan, au contraire. Alors, on m'annonce que le musicien du pouvoir va faire son entrée. Il s'agit de Mégo. Oui. On l'accueille. Le musicien de l'opposition, la juge Hubert. Et maintenant, le ministre du Bandeau des Valeurs Superficielles, Helmut. Voici la critique de l'opposition en matière de maladie de femme et de harcèlement sexuel, Priscilla. Le ministre des Vœux et des Beignes, Claude Legault. Et sans vis-à-vis de l'opposition, François Morancy. On accueille la ministre de la Floride, Anita. Son répondant au nom de l'opposition, Bob Cacheflot. Et voici maintenant la ministre des maladies et des corridors, Mme Tanguay. Le porte-parole de l'opposition, Danny Verben. Le ministre du chômage et du décrochage, Jessie Lauzon. Et sa vis-à-vis de l'opposition, Louise Richer. Le ministre des Dépôts et des Retraites, Siggy Maudouin. Siggy Maudouin. Le critique de l'opposition, Pierre Légaré. Et le ministre de l'Asphalte et des Tours, Michel Barrette. Voici le représentant de l'opposition, Jean-Guy Houd. Le député indépendant, M. Dupont-Lajoie. Et le chef de l'opposition, Yvon Travaillé. Et maintenant, le premier ministre, l'honorable Marcel Leduc. Le président de l'Assemblée, Michel Courtemanche. Maudit que j'aime ça dire, s'il vous plaît. Avant de commencer cette assemblée, j'aimerais rappeler les règles du jeu, de la procédure, du protocole, du comment tout cela va fonctionner, avec qui, quand, comment et surtout pourquoi. Tout d'abord, c'est moi qui mène le débat. Et, s'il vous plaît. C'est moi qui mène le débat. Et j'ai le droit, bien en l'air, d'expulser quiconque va me taper sur les nerfs. Justement, ça me tombe sur les nerfs. Vous avez intérêt à filer d'où? Verre d'eau. Et tout de suite? Mais non. Immédiatement. Abruti. Merci. Verre d'eau. Vous pourriez me dire merci? Merci. Est-ce que je vous ai cédé la parole? Parce que oui! C'est moi, ici, qui cède la parole. Vous voulez parler? Vous vous levez. Comme ça, il y aura au moins quelque chose qui se tiendra debout. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Ou bien vous levez la main, mais pas sur moi. Riez!
suffit. Et je demanderai aux musiciens de respecter l'ambiance de cette assemblée. Ne m'arrivez pas avec de la musique comme... Yo, man, yo, 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 yo! Non, il n'y a pas de problème. On n'est pas capable de jouer ça, alors. Aïe. Parle pour toi, et moi, je suis capable. S'il vous plaît. Aucun propos vulgaire ne sera toléré. Alors, j'insiste sur le respect de la tradition parlementaire et un minimum de décorum. Autrement dit, le premier qui fait une joke de marde, je le crée sa porte. Les parlementeries se poursuivent après cette pause. Moi? À 6 ans, 2 mois et 3 jours, j'ai eu les oreillons. Puis un an après, je me suis cassé un orteil. Votre dossier médical. Mais je ne me rappelle pas lequel, par exemple. Dans quelques années, grâce au réseau de Bell, les spécialistes de la santé, où qu'ils soient, y auront accès instantanément. Oh, ben, regarde ça, c'est beau, ça. Et ce n'est que... Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça, c'est ma femme quand elle a eu son premier, ça. C'est votre ventre, monsieur? Tout du muscle. Au repos. Hein?